Oh mes amis, laissez-moi vous parler d'une bonne chose. Nous devons marcher en accord avec la parole de Dieu. On a quelques personnes qui sont de l'Église, mais elles gardent l'amitié pour des personnes qui sont sur le chemin du mal. Voyez, cela peut les perturber beaucoup. Pourquoi ? Dit la parole de Dieu, Proverbe 1:16. Ils courent faire le mal, ils sont pressés de verser le sang. Et à un moment donné, vous êtes le co-auteur de quelque chose. Cherchez juste à donner la parole de Dieu pour ces personnes. N'ayez pas de communion avec elles, parce qu'il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Ouvrez vos yeux. Voyez cette personne donner son témoignage. 3 ans que je ne peux plus marcher. 3 ans qu'elle ne peut plus marcher, mes frères. Comment est-elle arrivée ici en marchant? Montrez pour moi comment vous êtes venus. Mettez la canne à terre. Où est l'autre? Quelqu'un derrière. Aidez-la aussi à monter ici. Elle et sa belle-fille sont ici. Vous avez dit qu'il y avait combien de temps que vous ne pouviez pas marcher? Ça fait déjà près de 2-3 ans, hein, Lynn? Oui, elle marche avec beaucoup de difficultés. Hey. Imitez comme vous marchiez. Montrez pour nous. Avant. Imitez comme on s'était. Montrez. Je me traînais. Vous traînez en plus? Oui. À présent, mettez cette canne sur l'épaule ici. Dites à votre belle-fille, Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Et maintenant, vous pouvez marcher au nom de Jésus. Allez, fille de Dieu. Allez, fille de Dieu. Vous voyez, quelle bonne chose, mes amis. Après, je vais prier pour vous. Ô Seigneur Dieu, je supplie pour ton aide. Je demande l'intervention du Seigneur. Dieu, touche cette personne pour la guérir, pour la libérer, pour faire d'elle, Dieu, cette personne que le Seigneur a toujours voulu qu'elle soit. Je vais maintenant réprimander tout mal qui est dans sa vie, au nom du Seigneur Jésus. Je te réprimande, esprit de maladie, d'infirmité, de perturbation, de souffrance. Prends tout ce qui est à toi et va-t'en d'elle, parce que tu ne peux plus rester dans cette personne, au nom de Jésus. Et Amen.